Voici comment créer un calque d'ajustement. En cliquant sur cette icône en bas à droite, vous verrez la liste des calques disponibles, par exemple teinte saturation. Cela va créer un nouveau calque d'ajustement que vous pourrez paramétrer en double-cliquant sur cette icône, dans le cas présent désaturer les couleurs par exemple. Ce calque d'ajustement n'est pas destructif, ça veut dire que si vous le cachez, les couleurs, dans le cas présent les couleurs des pixels du calque en dessous, sont toujours présentes. Vous pouvez aussi double-cliquer sur cette icône pour le reparamétrer et changer l'ajustement que vous avez fait. Les calques d'ajustement s'appliquent aux calques qui sont sous eux, c'est-à-dire que s'il y a un calque au-dessus, par exemple là un calque dans lequel il y aurait des pixels rouges, ces pixels au-dessus ne sont pas touchés par le calque d'ajustement. Il faudrait réorganiser l'ordre des calques, car c'est tous les calques qui sont en dessous du calque d'ajustement qui seront touchés.